Before this world exists, there is somebody who knew everything before even. Le monde t'attend. The world is shaking and walking. Mais l'église ne va pas t'attendre. But the world is not going to, the church is not going to shake. Pourquoi l'église ne va pas t'attendre? Why the church is not going to shake? Parce que nos yeux sont fixés sur la parole. Because our eyes is turned toward the Lord. La parole qui appelle les choses qui n'existaient pas comme elles étaient. The word that has called whatever that didn't exist to come and exist. Cette parole est capable. This word is able de nous indiquer le chemin. To lead us. Et ce matin, and this morning, avec cette parole d'exhortation, de prédication, d'enseignement, with this word of exhortation, preaching and teaching, je veux que tout et chacun de nous, I want each and every one of us, ouvre son cœur pour comprendre ce que Dieu a préparé pour nous. To open his heart and to understand what God prepared for us. Because in this kind of a time, it's only the word can help us. From the bottom of my heart, I'm saying, may God bless you. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, second. Je commence la lecture à partir du verset 24 et je descends. I will read from verse 24 going down. Genèse 32, 24. Genesis 32, 24. Comme nous avons des cultes, je ne serai pas long. Like we do have two services, I won't be long. Jacob demeura seul. Then Jacob was left alone. Alors un homme l'était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. And the man wrestled with him until the breaking of the day. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'opportune. À la voiture de la hanche, et la voiture de la hanche de Jacob s'est délit pendant qu'il était avec lui. Now, when he saw that he did not prevail against him,
He touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies plus. And he said, let me go for the day breaks. But he said, I will not let you go unless you bless me. Il lui dit, quel est ton nom? He said to him, what is your name? Il répondit, Jacob. He said, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. He said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. Car tu as été avec Dieu, avec les hommes, tu as été vainqueur. For you have struggled with God and man, and you have prevailed. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est venu là. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is that you ask about my name? And he blessed him there. Jacob a placé le nom de Peniel, car dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. So Jacob called the name of the place Peniel, for I see God face to face and my life is preserved. Le soleil se leva lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. Then the sun rose on him and he labored on his hip. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'ouverture de la hanche, car Dieu ne frappa Jacob à l'ouverture de la hanche au tendon. Therefore, to this day, the children of Israel do not eat the muscles that shrank, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrank. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'élection de Satan. May the Lord add explanation in the reading of his word. Rapidement, nous devons terminer ce point. Quickly, we're going to finish this point. Retenez ceci. Keep this. Jacob était béni par son père. Jacob was blessed by his father. Je suis dans Genèse chapitre 28. I'm in Genesis chapter 28. Il était béni. He was blessed. Mais le père connaissait que cette bénédiction ne peut pas être manifestée si Jacob reste seul chez lui. But the father knew that that blessing cannot be manifested if Jacob stays alone in his place. Voilà pourquoi le père indique à Jacob quelle direction qu'il devait prendre pour aller épouser. That is why the father showed Jacob the direction to go to get married. Alors qu'il était déjà béni, he was already blessed. Le père l'appelle et dit, and the father called him and said, Isaac appela Jacob le béni alors qu'il était déjà béni. Isaac called Jacob and blessed him, but he was already blessed. Et lui donna cet ordre. And gave him this order. C'est-à-dire que la bénédiction est liée par un ordre. It means that the blessing is linked with an instruction. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. You're not going to take a woman from the girls of Canaan. J'ai toujours dit que la doctrine, les commandements, ce n'est pas chose qu'on a fabriqué aujourd'hui, mais c'est le respect des bornes, des ordres, des commandements laissés par les anciens. I always say that the doctrine is not to believe or accept what is done today, but it is the commandment coming from the beginning. On n'a pas besoin de comprendre, mais d'obéir à la parole. We don't need to understand, but to obey the word. Isaac a indiqué à Jacob la direction qu'il devait prendre. Je veux dire que l'enseignement doit nous indiquer quelle direction que nous devons prendre. I say, if Isaac did show Jacob the way to follow, so the way had to show us the way, which way we had to follow as well. On peut être ministre. You might be a minister. Pasteur, docteur, évangéliste, qui que vous soyez. Mais il faut que l'enseignement vous indique quel chemin qu'il faut prendre, parce que c'est cela l'enseignement. You might be a minister, but the way they have to show you which way you have to follow, because that is a doctrine. Et Isaac savait que Jacob est venu seul, mais s'il ne prend pas la femme, on ne verra pas cette bénédiction. Isaac knew that Jacob was blessed alone, but if he doesn't get a woman, we're not going to see that blessing. Je vous dis que Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre. I am telling you that Jesus Christ was not blessed on the earth. Avant qu'il vienne sur la terre, il était déjà venu. Parce que dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, donne-moi la croix que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé. Before coming on the earth, he was blessed already. As John saying that, he said, Father, give me the glory that I had when I was on your side. Mais s'il restait au ciel,
But if could have stayed back there on the hill, la bénédiction ne devait pas être rendue visible. That blessing couldn't be seen. Voilà pourquoi il devait prendre la femme. That's why he had to take the wife. Pourquoi la femme? Why the woman? Pour manifester ce qui est dans lui. It is to show what is in him. Donc Jacob prend la direction enseignée par son père. Jacob took the direction instructed by his father. J'aime la précision qu'Isaac donne ici. Il dit, I like the precision that Isaac does give here. He says, lève-toi, raise, va à Padaram, go to Padaram, à la maison de Bethuel, in the house of Bethuel, père de ta mère, the father of your mother. Je ne peux pas enseigner ça comme ça. Ça veut dire qu'ici, il est question du mariage. C'est-à-dire, Isaac indique quelle direction, quel lieu, quelle maison, quelle famille que son fils devait entrer pour prendre la femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier n'importe où, n'importe comment, mais il faut que l'enseignement nous indique quel lieu. Here, the Jacob showing his son of the direction because the word has to show us which place, where we have to get married because it's about the marriage. That is the teaching he has to show us. Et là, and then, Isaac répète Abraham. Isaac will repeat Abraham. C'est ce que je parlais de la doctrine, c'est la répétition. And it is what I say about the doctrine, is the repetition. Isaac répète Abraham parce qu'Abraham avait envoyé son serviteur dans son pays. C'est-à-dire que là où Isaac envoie Jacob, c'est le pays de son père, c'est le pays de la mère de Jacob. Isaac had to repeat Abraham because where Isaac is sending Jacob, it is the country of his father and the country of his the father of his mother. Dans un seul lieu, one place, une seule ville, in one city, seule maison, one house, pour Isaac, for Isaac, c'est la maison de son père. It is the house of his father. Mais pour Jacob, but for Jacob, c'est la maison de sa mère. It's the house of his mother. Vous avez déjà vu une maison qui est à la fois la maison du père et du mère? Have you ever seen already one house? It is the same for the father and the mother. Parce qu'Abraham avait appelé son serviteur. Because Abraham called his servant. Il a fait cette recommandation. And he did give him this recommendation. Venez dans la maison de mon père, là où je suis sorti. Go back to the house of my father where I came from. Cherche une femme pour mon fils Isaac. Look for a woman for my wife, my child Isaac. Rebecca est sortie. Rebecca came out. Dans la maison du père. In the house Isaac. Of the father of Isaac. Mais pour Jacob, but for Jacob, ce n'est plus la maison du père, mais c'est la maison de la mère. It's not anymore the house of the father, but it is the house of the mother. Une seule maison. D'ailleurs, vous devez comprendre que one house of Ahab, you have to understand that. Les gens qui ont négocié le mariage d'Isaac, c'était là-bas. The one who negotiated the marriage of Isaac, it was Laban. Laban était là au commencement. Laban was there in the beginning. Quand Rebecca sortait. When Rebecca was going out. Et Jacob aussi va rencontrer le même Laban. And Jacob will meet the same Laban. C'est-à-dire que c'est la même maison. It is the same house. Une seule maison. It's the only one house. La maison du père. The house of the father. De la mère. And the house of the mother. Et quand les tendons les plus anciens partaient. When the head of the servant was going. Il a fait un escale dans le puits. He did stop by the well. C'est dans le puits. He is on the well. Il a rencontré la femme. That he met the wife. Et quand Jacob part à son tour, and when Jacob also goes, c'est dans le puits. He is on the qu'il well. Qu'il rencontre la femme. Mais donc, Dieu s'était répété. C'est pas pour rien Jésus-Christ. Not for nothing that Jesus Christ. Un jour, quand il voulait aller quelque part, il s'arrête au puits. Comme il est question de la femme, like it is about the woman. Il va envoyer tous les apôtres. Il reste seul parce que c'était question de la femme. Amen. Maison de la mère. The house of the mother. And the house of the father. Le père de la mère. We are the father and the mother. Doivent sortir dans une seule maison. They have to come out from one house. Mais quand vous posez à Eve la question, but when you ask Eve the question, qui est ton père? Who is your father? C'est Adam. It is Adam. Qui est ta mère? Who is your mother? C'est Adam. It is Adam. Parce que Eve est sortie. Because Eve came out of Adam. Le père de Eve, c'est Adam. The father of Adam or Eve la is Adam. Mère de Eve, c'est Adam. And the mother of Eve is Adam. Voilà pourquoi c'est la même dit. That's why the son of Eve said, je vais t'amener. I will bring you dans la maison de ma mère. In the house of my mother. Là, la foi. There you will teach me. L'enseignement est donné dans la maison de la mère. The teaching is given in the house of the mother.
Et c'est la même précise. And the cinnamon precise, c'est sous le pommier. It is under the apple tree. La maison de la mère de cinnamon, c'est le pommier. The house of the mother of the cinnamon, it is the apple tree. Mais quand le mari s'explique, il dit, when the woman, the man does ask, je suis le pommier. I am the apple tree. Notre maternité, our maternity, c'est la foi. It is the law. On ne peut pas trouver la femme ailleurs si ce n'est que dans le pays d'Abraham. You cannot find a woman outside if it's not in the country of Abraham. Pourquoi Jésus-Christ quand il marchait? That's why when Jesus Christ was walking, chez Zachée, he entered the sanctuary. C'est lui, c'est le fils d'Abraham. This one is the son of Abraham. C'est le fils d'Abraham. This one is the son of Abraham. C'est dans la maison d'Abraham qu'il y a la promesse. It's in the house of Abraham that there is promise. Et je vous dis vrai. And I am telling you the truth. Là où il n'y a pas d'enseignement, where there is no teaching, il n'y a pas la promesse du mariage. There is no promise of il n'y a pas le ciel. There is no il n'y a pas la vie. There is no life. Amen. Et Jacob sortait avec la bénédiction du Père. Jacob was going out with the blessing of the Father. Je vais vous expliquer la maison de la mère pendant la semaine, mais aujourd'hui j'avance plus vite. I will explain to you the house of the mother during the week, but today I want to go quick. Shalom l'église. Shalom the church. Jacob arrive. Jacob arrive. Allons-y rapidement. Let us go quickly. Mais écoutez-moi. But listen to me. Je ne peux pas passer comme ça. I cannot go by like that. Le serviteur d'Isaac est allé seul. Isaac est resté. The servant of Isaac went alone. Isaac was taken behind. Vous voyez? Do you see that? Ça dit que Isaac est resté. It means that Isaac stayed behind. Le serviteur s'en alla seul. And the servant went alone. Il a pris Rebecca. He took Rebecca pour ramener vers Isaac. To bring her to Isaac. Mais Jacob. But Jacob. N'a pas envoyé le serviteur. He didn't send the servant. Il est venu seul. He came alone. Il est venu. He came. Mais comme salaire. As the salary. Lui cherchait la femme. He was looking for the woman. Le père l'a envoyé pour prendre qui? The father sent him to protect the woman. The woman. Il est arrivé là-bas. And get there. Il travaille pour le troupeau. And he went for the flock. Ça dit que le troupeau là. That flock. C'était l'explication de la femme. It was the explanation of the woman. Donc il est sorti comme fils. He came out as a son. Je veux dire, Isaac a aimé le monde. I want to say, Isaac loved the world. Il a envoyé son fils. He sent his son. Mais au retour, but when coming il sort comme l'époux. He's coming as a husband. Il rentre comme le pasteur. He's coming back as a shepherd. Jésus-Christ est venu sur la terre. Jesus Christ came on the earth. Mais remarquez, but look at this. Il est venu chercher la femme. He came to look for the woman. Mais cette femme là, c'est le troupeau. And that woman is the flock. Je suis le bon berger. He said, I am the good shepherd. Oh. Mais toi, tu es venu pour chercher la femme. But you came for the woman. Oui, il devait travailler. Yes, he had to work. C'est-à-dire qu'en réalité, in reality, quand Christ est venu, when Christ came, vous êtes vous me suivez? Are you following me? Parce que vous avez Abraham. Because you do have Abraham. Comme père. As a father. Vous avez Isaac. You see Isaac. Comme fils. As a son. Isaac ne vient pas chez nous. And Isaac doesn't come to us. Mais il nous attend. But he's waiting for us. Saint-Denis Romain a dit. Now, Saint-Denis of Romain said. Je voulais que tu viennes chez moi. I wanted you to come by me. Je ne suis pas venu. But I'm not worthy. Dis seulement une parole. Only say a word. Donc Jésus. It means like Jesus. N'entre pas dans la maison de Saint-Denis Romain. He's not entering the house of the welcome. Par la parole, but he does enter by the word. Donc Jésus Christ dans la chair. Jesus Christ on the flesh. Il ne peut pas venir ici. He cannot come here. Il nous attend au ciel. He's waiting for us from heaven as Isaac was waiting. Mais il est venu. But he can. Comme travailleur. As a worker. Comme la parole. As the word. Il dit. He said. Je m'en vais vous préparer une place. I'm going to prepare a place for you. Parce que Rebecca. Because Rebecca. Va hériter la tente de Sarah. Will inherit the house of Sarah. C'était déjà une maison préparée. It was already a house prepared. Et il dit encore. And he said, je suis avec vous. I am with you. C'est dans le moment où nous parlons. It is in this moment. Comme la dispensation du fils. And the dispensation of the son. Il nous attend au ciel. He's waiting for us in the heaven. Comme le père. As the father. Il nous attend. He's waiting for us. Comme le Saint-Esprit. As the Holy Spirit. Travaille par nous. He's waiting among us. Donc Jacob. Jacob, c'est la dispensation. It is a dispensation. Où Dieu devait prendre le corps travailler. Where God had to take a body and work. Et à la fin, at the end, ensemble son salaire. He gathered his wage. Retour, going back. Vers le père. To the father. J'ai toujours dit que si le ministère a été envoyé, c'est pour nous préparer à retourner à l'éternité.
I always say, if the ministry was prepared to, you are sent to prepare us, it is to take us back to the eternity. Le pasteur qui prêche pour que les gens aillent en Europe aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont prêcher la même chose, parce que là en Europe, les gens fuient pour le corona. Je ne sais pas si vous prêchez déjà d'aller encore où. Mais le ministère, c'est pour vous ramener vers l'éternité. Je ne suis pas contre l'Europe, je ne suis pas contre les États-Unis, mais le ministère, c'est pour vous retourner vers Isaac qui a fait sortir la parole. The preacher was preaching people to go to Europe. I don't know what they're going to preach now, because in Europe there is corona, people are running away. So the ministry is not to prepare us to go to Europe or Canada, but it is to prepare us to go to heaven. May the Lord bless you. Do you bear this message? Let us go quickly. Jacob gathered the salary. Au milieu du tourment. Among the trouble, in the trouble. C'est ce que Dieu m'avait inspiré pour vous enseigner durant le temps de confinement, à comprendre que quel que soit le temps mauvais, cela ne va pas empêcher Dieu de céder son troupeau. C'est-à-dire que quel que soit le temps de COVID-19, on a perdu le travail, les choses deviennent difficiles, peu importe, mais l'arbre de Jacob va continuer à nous sceller. C'est-à-dire que quelque chose ne marche ou pas, Dieu continuera son travail dans nos vies, dans nos cœurs. God inspired me to teach the people in this time of difficulty, no matter what kind of the difficulty is, God will carry on sealing his people. Et remarquez, and look at this. Le chemin du retour de Jacob, the way of going back for Jacob, tous les troupeaux doivent le suivre. All flock have to follow him. C'est-à-dire si nous sommes baptisés par le Saint-Esprit, it means that if we are baptized by the Holy Spirit, nous retournons pour l'éternité. We're going back to the eternity. Au cours de la route, on the way, rencontrer des épreuves, you might meet the test, l'injustice, the injustice, les difficultés, difficulties. Je vous ai toujours prêché. I always preach you. Ne craignez pas les épreuves. Don't be afraid of the test. Ne craignez pas l'injustice. Don't be afraid of injustice. Ne craignez pas le mépris. Don't be afraid of the despise. La part de l'homme sur la terre. He is the portion of the man on the earth. Les gens vont vous haïr. People will hate you. Les gens vont vous calomnier. People will insult you. Les gens vont faire tout pour vous décourager. C'est ça l'œuvre du diable. Et tu dois affronter ça parce que tu as été scellé pour ça. Dieu t'a scellé dans des moments difficiles pour que tu sois capable de vaincre le diable, quel que soit le temps difficile. People will call you name or whatever, but you are sealed already by God. God sent you the message to be sealed so you might receive the Spirit and be saved. Jacob au retour, and Jacob went going back. Il dit, bon, maintenant tout va bien. He said, now he said, everything is going well. Je pars rapidement parce qu'il faudra que je termine. Allow me to go quickly because I have to finish. Il a dit, bon, je mets l'ordre. He peut-être, said, I will put the order. Peut-être, je vais expliquer l'ordre de ça dans les jours à venir. Maybe I will explain the order in the day to come. He put the order on the floor. Mais quand il est sorti à Padana, but when he went out of Padana, il ne connaissait ni le nombre. They didn't know neither the number, ni le nom, neither the name. Mais ici, dans le chemin, il a commencé à mettre l'ordre. But in the way, he started to put orders. Apôtre, apostle, prophet, teachers, pastors. Ce ne sont pas les grades. It's not the level or rank. C'est l'ordre de campement. It is the order of camping. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le désordre. Because you cannot go back in the disorder. Si on est brebis de Jacob, if you are a sheep of Jacob, on a été scellé pour respecter l'ordre. We were sealed to respect the order in the throne. If you find somebody in the church, il vit comme il veut. He living as he wants. Il prie comme il veut. He prays as he wants. Il vient à l'église comme il veut. He comes to the church as he wants. Peut-être, maybe, c'est une brebis de la main. It is a sheep of leather. Parce que brebis de Jacob. Because the sheep of Jacob, souvent l'ordre de Jacob, we follow the order given by Jacob. May the Lord bless you. Et pendant qu'il rentrait, and while he was going back, Jacob a mis de l'ordre. Jacob put orders. Vient, he said, because Esau is coming, I will stay alone. He was left alone. La nuit, and the night, semaine, those who did follow me during the week, I need to give them why. Il est resté seul. Il est resté behind alone. La nuit, and the night, il attaque quelqu'un en train de lutter. And he kept somebody wrestling against him, giving him patch. Là, si Jacob avait chassé les démons, le combat ne va pas s'arrêter parce qu'il ne combat plus avec les démons mais avec l'Éternel lui-même.
When there Jacob has to cast away the demon is not going to be there because he's not fighting against the demon, but there is no other heaven. Il n'y a pas le ciel. There is no heaven. Il n'y a pas l'élévation. There is no elevation. Si nous sommes pas capables de combattre ce combat, ici je veux me revenir pour dire, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si la parole ne lutte pas avec le moi. This is to tell us that we cannot raise up if the world doesn't fight with our ego. Je peux continuer? Can I carry on? Je peux continuer. Can I carry on? Quand nous avons quitté le monde, when we left the world, tout est parfait. Everything was good. Mais Dieu laisse la parole. But God left the world. Parce qu'il sait que dans nous il y a encore des imperfections. Because in all in us there is still imperfections. Tu peux être qui que tu sois. You might be who are. Mais Dieu sait que dans toi il y a encore des imperfections. But God knows that in you there is still imperfections. Voilà pourquoi il peut susciter. Suivez-moi très bien. That is why he can raise. Follow me carefully. Tout autour de ta vie, God can raise and misunderstanding around your life. Ce n'est pas le combat avec le diable, mais c'est Dieu lui-même qui te combat pour ôter l'orgueil dans ton cœur, l'arrogance et tout ce qui est contraire à la sanctification. Dieu veut permettre des temps difficiles, des épreuves pour te combattre, pour combattre le moi. Frère Paul dit ceci, pour m'empêcher de m'enorgueillir à cause des révélations que j'avais. Dieu a permis qu'un ange de Satan soit là-bas pour m'empêcher. C'est-à-dire que à chacun de nous a ses infirmités, qui que vous soyez, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Mais tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu ne tiens pas compte de la lutte envers la parole. Je vous dis, chaque jour que nous venons dans l'église, mardi, jeudi, dimanche, dans nos maisons, quand nous restons devant la présence du Seigneur dans la prière, tu dois sentir ce combat entre ce que tu veux et ce que Dieu veut. Ça dit quoi? Traduit. Je vais dire ceci en un mot. I want to say that tu ne peux pas aller au ciel. You cannot go to heaven sans combattre avec la parole. Without fighting against the word. Pourquoi Dieu a envoyé la parole? Why God has sent the word? Je veux faire ceci. I want to do this. La parole me dit ça. Je veux. What I want. On m'a injurié. They insulted me. Qu'est-ce que Jean veut dire? What John will want to be? They just prayed because of me. Pardon. C'est une lutte entre Jean et la parole. But God is saying to you, forgive me. It's a fight between Jean and the word. Je ne supportais pas être pasteur. I never prayed to be a pastor. Juste à ce moment-là, commencer à m'exhorter. J'avais même laissé l'église. Until they started exhorting me, even at the church. Oui. J'ai entendu des choses vraies. I am telling you the truth. J'ai entendu pasteur Jean-Macombe à Apôtre Florent et les autres. Ask a question to those pastors, Jean-Macombe and Apôtre Florent. Notre première église compte plus de 3000 membres. Our first church had 3000 people. I left that and say, I cannot bury it. C'est comme les apôtres, princes, les docteurs qui sont, s'ils ne comprennent pas ça, ils peuvent même abandonner l'église de Pérou, parce que conduire les gens, c'est pas facile. Ah. Les gens vont parler mal de vous, les gens vont vous contrôler, les gens vont faire ceci, cela, c'est ça. Et Dieu permet ces choses pour nous équiper, pour nous préparer, parce que c'est ça, l'œuvre de Dieu, c'est ça le ministère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous comprenez bien ce que je dis? Oui. J'avais laissé l'église, je dis, non, pardon. I left the church and said, I'm not going to read anymore. Mais c'est ça le combat. This is the fight. Et à la fin, je me suis retrouvé dans l'église. At the end, I'm finding myself in the church. Dieu permet ces choses pour lutter avec nous. It's been like God has allowed those things to wrestle with us. Tu peux croire que je suis parfait. You might believe that I'm perfect. C'est sans reproche. I'm without flawless. But God is saying to me, look, mais c'est Dieu. What is that? It is God. There is no amen there. You don't want that. Mais tu dois pardonner la personne. But you have to forgive the person. Tu dois pardonner les gens qui parlent mal. You have to forgive those who are talking bad about you. In the family. Dans le quartier. In the area. Qu'est-ce que je fais? You might ask yourself a question, what did I do finally? Dans la famille, mais c'est ça. In the family, this is it. Tu ne peux pas aller
aller au ciel dans la paix, dans la tranquillité, il faut que la parole puisse te combattre. Parce que c'est ça, le combat qui va déterminer le reste de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? You cannot go to heaven without the fire in the peace. It is the fire who is allowing you to be prepared for the everlasting life. Do you understand that? Je veux dire ça rapidement. I want to say that quickly. Pour le temps. For the time. Écoutez-moi. Listen to me. Dieu combattait Jacob la nuit. God was fighting Jacob during the night. Pas le jour. Not the day. Vous savez le combat? Do you know why? Je peux quand même vous donner le combat. I can even give you the why. Après le combat. After the fight. Quand Jacob passe. When Jacob passed back. Le combat se termine. The fight that be finished. Parce que quand Dieu combat, it means when God is fighting, il récupère toujours la force. He always takes the strength. Le résultat du combat, the result of the fight, il faut que le monde te voie que cet homme a perdu quelque chose. The world has to see that this man has lost something. Et le texte dit, and the text is saying, le soleil se leva, the sun rose. When he passed by Peniel, pendant qu'il combattait, while he was fighting, c'était toujours la nuit. It was still the night. Et quand il a terminé ce combat, when he finished the fight, and the sun rose, René n'attendait pas le soleil pendant le combat. Brother, don't wait the sun during the fight. Mais quand le combat va se terminer, when the fight will finish, tu verras le soleil. You will see the sun rising. Cela n'a pas commencé là-bas. Vérifiez, vérifiez. Let's check the Bible. Vérifiez Genèse chapitre 19. Let's check Genesis chapter 29. Genesis 19, sorry. Vérifiez Genèse chapitre 19. Genesis 19, verset 23. Verse 23. Le soleil s'éleva sur la terre. And the sun had risen upon the earth. Lorsque l'homme entra dans Troas. When the Lord entered Troas. If you had gone. When jump to the Lord is leaving Solomon. C'était le combat. It was a fight. Go out. I'm not going. Go out. I'm not. Et il est sorti avec sa femme. And he went out with his wife. Et l'autre ne pouvait pas avancer. And Lot couldn't go further. Mais quand il avance. But when he's going forward. Ça dit que quand il était capable de sortir de Sodom. It means when he was able to come out of Sodom. To run. Avant la montagne, il y a eu Choa. Before the mountain, there were Choa. La Choa, when he entered Choa, la femme devient la statue du sol. And the woman became the statue of the sun. And the sun rose. Le soleil ne peut pas se lever pendant la nuit parce que l'autre courait la nuit. The sun cannot rise during the night because the Lord was running. Il est sorti à Sodom, c'était pas le jour. He ran out of Sodom, it was not the day. He was running at night. Quand il se sépare de sa femme, when he did separate with his wife, and the sun rose. C'est ça la faiblesse. This is the weakness. Le soleil ne peut pas se lever. The sun cannot rise. S'il y a encore la lutte, when he's still fighting. Mais comment ça a été? Comment ça how it was? Je dois quand même vous expliquer ça rapidement. I have explained to you at least that oui, je ne touche pas des choses comme j'ai parlé la semaine. I'm not touching the thing that I did during last week. Follow me. Pendant que cet homme-là s'est battu avec Jacob, when that man was fighting Jacob, bam, first one. Jacob l'a retenu parce que. And Jacob kept him because. Avec Dieu, on ne peut pas les répondre si ce n'est que les retenir. On retient seulement sa parole, on retient ses promesses et je m'arrête là, c'est tout. I said to you, the fight with God, you cannot answer. You just have to keep his word, to catch him, to understand the word and then keep the word. Quelqu'un va me poser la question, prophète Jean-Marie, tu veux dire quoi? Je veux dire ceci. Somebody will ask the question, prophet, what are you trying to say? I want to say this. J'aurais voulu que le docteur Jason me dise pour nous, pour qu'on soit rapide. I wanted the teacher Jason to read for us to be quick. Job chapitre 38. Je vous donne l'idée. Job chapitre 38. I will give you the idea to understand. Job 38. Premier verset. Job 38, first verses. Job 38, verset 1er. Il est écrit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Who is this who darkens counsel by word without knowledge? Saint des reins comme un vaillant homme. Now prepare yourself like a man. Listen, doctor, teacher. Saint des reins.
Then waste. Yoga. Job is sitting on the dust. Job is sitting on the dust. Il parle de Dieu. He said, God, Dieu. God, Dieu. God. Moi, je suis juste. I am a right. Why? And God understood that Job couldn't understand it. And he came on the whirlwind. He said, this waste of yours. Do you see them? He didn't see the head. Neither the throat. The chest, neither the feet. He only see the waist. For Jacob, what did God do touch? It was the waist, the hip. He said, this with hip. Come, doctor. Come. Prepare your hip as a of white man. Donc celui qui peut servir le reste c'est le vaillant. The one can prepare his hip is only the fighter. Un faible. A weak. Doit toujours rester dans la poussière. Have to stay always on the dust. Don't you understand? C'est pas difficile. It's not difficult. Je vous montre comment est-ce que Dieu on peut combattre avec lui. I want to show you how God can fight with you. Dieu dit, God said, set the rein, prepare your hip, your waist. Comme un fire as a strong man. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ah. I will question you and you shall answer me. Parce que toi, Job, because you, Job, tu veux combattre avec moi. You want to fight against me. Alors lève-toi. Okay, raise up. Set the rein, prepare your waist. Je vais te poser des questions. I will ask you questions. Tu m'instruiras. And you will teach me. À chaque fois qu'on se pose des questions devant les épreuves difficiles, c'est comme si on combat contre Dieu. In every time that we do ask a question in a difficult time, it is like we're fighting God. À chaque fois que l'homme se pose trop de questions, pourquoi ça, c'est comme si on combat contre Dieu. Alors la seule manière de combattre avec Dieu, c'est de retenir sa promesse. Même si je ne comprends rien, même si je ne vois rien, je retiens seulement sa promesse. Je retiens sa parole. Je ne me pose pas trop de questions parce que c'est ça se faire comme un vaillant homme. Vous m'entendez? In every time we ask him questions, difficult questions, it is like we're fighting God. But the only way to fight God is to keep the word, to understand his way, and then he's going to make us win. Voilà. Let's see that. Mais parce que je vais retenir. Because are we coming? Are we coming? Comme Jacob résistait. As Jacob was not prevailed. Retournons dans Genèse 32, verset 25. Let us go to Genesis 32, verse 25. Verset 25. Genèse 32, verset 25, il est écrit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moiture de la hanche. Like he couldn't prevail him, that man hit him on the hip. C'est-à-dire qu'il a retiré la force dans les reins. It means that he took the strength out of the hip. Parce que la force, c'est dans le rein. Because the strength is on the hip. Mais cet homme-là, and that man, a frappé Jacob au rein. C'est-à-dire, struck Jacob on the hip. Il a récupéré la force. It means that he took the strength. Et là, il dit quoi? And what he said again? Il dit quoi? Et la moitié de la hanche de Jacob s'était mis pendant qu'il était avec lui. And the stumps of the hip. Get out when he was fighting against Jacob. And Jacob felt that I lost my strength. Personne ne peut venir dans la parole, écouter la parole chaque année, chaque mois, chaque semaine, sans réaliser cette expérience. Il faut que, quand nous venons dans la parole, qu'on se sente que je perds ma force, je perds ma façon de parler, je perds ce que j'étais, je perds. C'est ça. Il faut que la parole soit vainquée dans notre vie. Nobody can come in the word every day and say the same. You have to feel that I'm losing everything from the word. Mais parce que cet homme-là, it is because that man a récupéré la force de Jacob. He took the strength of Jacob. What he say now? He dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Let me go because the days are coming. I already break you, sorry. Pendant la journée, during the day, au lever du soleil, in the rising of the sun, je ne peux plus continuer à combattre. I cannot fight you. Laisse-moi m'en aller. Let me go. Jacob dit quoi? What Jacob say? Jacob est parti.
And Jacob answered, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. I will let you go if you don't bless me. La bénédiction pour Jacob c'était quoi? The blessing for Jacob, what was it? Tu as laissé quelque chose ici. You left something here. Tu as frappé. You struck me. Tu as changé ma démarche. You did change the way of walking. J'ai besoin de la bénédiction. I need a blessing. Et cette bénédiction and that blessing me permettra will allow me de bien garder le troupeau de chien. To keep the sheep very well. Je ne peux plus continuer à marcher comme ça. I cannot walk, carry on walking like that. Que cet homme-là bénisse Jacob. In that the place that the man blessed Jacob. Verset 27. Il dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. He said, what is your name? And Jacob answered, I am Jacob. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lettre. May the Lord bless, give the blessing. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lettre. And explanation in the reading of the book. Bénis-moi. Bless me. Bénis-moi. Bless me. Bénis-moi. Bless me. Cet homme l'a dit, quel est ton nom? And the man answered, what is your name? Est-ce ça le sens? Does he have a meaning? Je pose la question, est-ce que cela a le sens? I do ask the question, does he have a meaning? Bénis-moi. Bless me. Je pose la question, quel est ton nom? And he asked me the question, what is your name? Dieu ne peut pas me bénir sans révéler qui je suis. It means that God cannot bless me without revealing who am I. Dans le combat de la parole, in the fight of the word, Dieu veut que chacun de nous se découvre. On me connaît comme Jean-Louis, mais Dieu veut que moi, vis-à-vis du combat, que je me connaisse, non selon moi, mais selon la parole. God wants us, each and everyone, to discover ourselves, not according to us, but according to the word. Verset 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. And your name shall not be Jacob anymore, it will be Israel, because you have to fight against God and people and you prevail. Donc la bénédiction qu'il attendait, the blessing he was waiting, c'était la révélation de son vrai nom. It was the revelation of his genuine name. Le diable peut venir te troubler. The devil can come and trouble you. Mais si la parole révèle ce que tu es, par exemple, ce que la parole te dit, il te n'a pas besoin de tenir compte de tout ce que le diable parle de toi, mais tiens compte de ce que Dieu dit à ta vie. Est-ce que vous m'entendez? If the word reveals what is in you, even the devil come and tell you other things, you don't have to need what the devil is saying, but keep what the word is saying about your life. Verset 30, on termine. Verse 30, we're going to finish. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob called the place Peniel because he said, I've seen God face to face and my soul was saved. C'est-à-dire que quand il a changé le nom à Jacob en Israël, it means when he changed the name of Jacob to Israel, Jacob aussi a posé la question. And Jacob answered the question as well. Quel est ton nom? What is your name? Il dit, je ne peux pas te dire. He said, I cannot reveal you. Suivez-moi maintenant. Listen to me carefully now. Retenez ceci. Keep this one. Jacob dit, Jacob said, oh, j'ai vu Dieu face à face. I've seen God face to face. Et mon âme. And my soul, a été he said. Avant de dire que son âme a été sauvée, before saying that his soul was saved, he said, he seen God face to face. Combattre avec Dieu veut dire quoi? Fighting against God, what does it mean? Nous devons découvrir Dieu face à face. Suivez. We have to discover God face to face. Je ne peux pas venir dans l'église quand on me prêche. I cannot come in the church when they're preaching. Je ne découvre pas Dieu pour moi, mais je découvre Dieu pour. I'm unable to discover God for myself, but I can discover God for the other one. Is it possible? Amen. Amen. C'est la parole. It is the word. Mike Ayoki. And Mike is there. Jamais. No. Amen. Amen. On dit pas c'est la parole. They don't say it is the word. Jamais. You cannot say it like that. Never. C'est la parole. It is the word. Car il qu'à suivre. Jamais. You cannot say that that brother didn't feel that. On doit découvrir Dieu face à face. You have to discover God face to face. Do you understand that? Si je pouvais ouvrir votre cœur, if I could have opened your heart, produire ce message, and intelligence, je pouvais produire ce message, I would have done it. Si nous avons des problèmes dans nos vies, c'est parce que les gens n'ont pas encore fait cette expérience. Face à face, je ne veux pas découvrir Dieu pour
pour les autres. Je ne veux pas écouter Dieu pour notre association, mais je veux découvrir Dieu face à face. If we do a problem in God's, we are not, we didn't discover God face to face yet. I cannot listen to God or understand God for the other people or for the community, but for myself. Personne peut se connaître lui-même s'il n'a pas vu Dieu face à face par lui-même. C'est-à-dire que personne, nobody. Il y a des fois, cela nous arrive. There is kind of thing that coming for us. Nous connaître. To not understand ourselves. Devant un problème, on pleure. And in front of the difficulty, we cry. If alors que dans toi, il y a des capacités. But in you, there is a ability. Dans toi, il y a des promesses. There is promises. Tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de docteur. Tu n'as pas besoin de l'évangéliste. I was 15 years old, I saw a preacher preaching. Je posais aux gens la question. I asked the people questions. Je peux faire ce qu'il fait? Can I do what he's doing? Il dit, tu peux le faire. He said, you are able to do it. What is a miracle? What is all for? You want to speak to me? And I will do that as well. Dieu a commencé à se servir de moi avant que je sois prédicateur. God showed proof to me before I was a prédicateur. Je ne vais pas faire ce prédicateur pour expérimenter Dieu. Je suis arrivé quelque part dans une église. Je ne savais pas que le pasteur. I didn't get somewhere in the church. I didn't know that the pastor. Quand les gens prient, when the people are praying, il y a des pasteurs qui prient, les gens tombent. Ici, les pasteurs sont prêts. People are falling. Si quelqu'un tombe ici, je ne prêcherai pas. I said, if somebody falls here, I'm not going to preach. Je ne savais pas. I didn't know that. Première prédication. First preaching. Première personne qui tombe, c'est ça. The first person is falling is his wife. Et les gens vous déposent. And the people say, let them go. Alors, quand je comme le cours de la philosophie, you cannot preach God as a cause of the cross. On comme le civisme. You want to come in the church as a group. Comme la algèbre. As the algebra. Je suis les autres enseignements. Je veux les gens comprendre les histoires. I do follow many teaching people. Mais vous avez la capacité de prendre les choses difficiles dans les enfants. You see, the ability to take a difficult thing and make it easy. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre. I don't need to do je suis un fort. Mais j'ai besoin que le ministère rassemble la personne pour me donner la force. Je voudrais aller au Seigneur Jésus-Christ. Il pourrait changer votre façon de prier. Votre façon de servir Dieu. Aujourd'hui, si vous comprenez ce message. Do you follow? Il y a des gens qui ont des capacités, there is tant people de capacités, de temps de vision, de temps de capacité, de temps de possibilité, mais qui sont ignorants. But they are ignorant. Et la monde qui a mort, I saw them. Les gens sont ignorants. People are ignorant. J'ai entendu Dieu. J'ai vu Dieu. I saw God. Et mon âme a été sauvée. And my soul was saved. Oh. Donc avant de se connaître, before knowing yourself, il faut voir. You have to see. Comment Jacob a vu Dieu? How did Jacob see God? Jean chapitre 1er. John chapter 1st. Marc, il faut tenir compte de toi, sinon je ne veux pas. Brother, you have to check. La vitesse que je suis entré là. Otherwise, I won't understand. Je peux oublier. Jean chapitre 1er, verset 18, rapidement. Donc. John chapter 1st, verse 18, quickly. Allons-y. Jean 1er, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Personne n'a jamais vu Dieu. No one has seen God. Also Jacob, what Jacob did see. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors lui Jacob a vu. Nobody has seen God. Who Jacob did see? Le Fils unique qui est dans le sein du Père et qui l'a fait connaître. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, and he has declared him. C'est-à-dire que personne n'a jamais